Et rebonjour à tous, me voilà de retour sur les Père de Marichon. Ouais, j'ai eu mute parce que j'étais en train de parler tout simplement. En 30 000, alors il manque plus grand chose là. Alors, on fait ça. Ah, quand même. 139, 136. Ah ouais, je dois voir. Ah bah si, 131. Il me manque 5564. Ok, parfait. Bon, on se met la radio et puis... Et voilà. Les oeils ont normalement... Normalement, temps. 0,26 heures. Non. 0,26 joules. Ouais. Bon, bref. Aujourd'hui, je l'ai, quoi. Non. Bon, on va se faire une déco quoi, parce que ça me saoulait d'avoir le téléphone coincé dans la main. Est reparti. Non, mais c'est une blague là. Ah oui, il faut faire ça. Normalement, si je fais pas de bêtises ce soir. On devrait avoir une petite nouveauté, hein, le Shark. Ça va faire plaisir. Ah, mais une fourrière, d'accord. Où est-ce que c'était? Dans Shark. Je vois plus que... Non, c'est pas ça. Bonjour à tous. Les nouveaux véhicules Shark devraient arriver ce soir dans le temps qui... Nous comptons sur le talent pour montrer que le SPD est bien présent. Tu peux continuer. Ok. Ouais, j'ai encore le téléphone de la main. D'accord, génial. Remets à la radio. Voilà. On met la petite ticket ici. 66 reprises de service en attente de dispatch. Après, si la moustache pousse trop, après t'as l'air d'un vieux. Les vieux, ça n'a pas de moustache. Enfin, si c'est des moustaches, mais les moustaches sont grises. Si on dirait que je suis un vieux, on dirait que je me teins. Et se teindre, c'est pas la mode. Donc voilà, moi je me teins pas. Ah bah oui. Ah bah j'ai eu le GSM dans mon téléphone. C'est le monsieur qui crie derrière? Le GSM dans j'ai mon camion. l'impression. Pas lui dire Eh qu'il oui. parle moins fort, s'il te plaît. Ah bah j'ai pas assez de place dans mes poches, hein. Malgré que j'ai un cargo. Bien le bonjour, Oh bien monsieur. le bonjour, monsieur. Alors, il n'est pas encore sourd. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu moins fort? On vous entend à l'autre bout du poste. Pardon, excusez-moi. Pas de soucis, merci Je vous bien. prie. Bon, c'est notre travail, quoi. Donc oui, voyez, si C'est bon. Très bien. Et Ah nous, c'est notre passe-temps. oui. Voilà. Dangereux comme passe-temps, quand même. Oh. Quand même dangereux comme passe-temps. Ah, évidemment. voilà.
Bon, on va mettre à votre collègue. Dur, sur le parking pour un dispatch, s'il vous plaît. Ah, voilà, parti. Là, dans ces moments-là, moi je vais le faire en radio. Tu demandes à la centrale les unités qui sont en attente de dispatch. Mettez-vous en attente de dispatch. Ouais, bien plus pratique. Eh, mais il y a du monde en patrouille ou vous êtes tous là en fait? Bah, non, on fait un redispatch parce qu'il y a pas mal de procédures. Il y a deux personnes qui sont en train de subir les procédures là. De subir carrément 55. Oui, allez, 21, on partait un peu. Oui, faut que je parte à l'hôpital attends, d'abord. Attends, parce que, je crois qu'il y a. Oh merde. T'es fait tirer dessus, c'est ça? C'est 94, non. C'est leur PPA aussi, je crois. Non, mais attendez. 39, il a déjà passé, il y a que moi qui n'ai pas encore passé. Ah bah, du coup. Voilà. T'as fait quoi? Tu t'es fait écraser? J'ai pris deux droites et un accident de voiture sur la route. Regarde l'état du bolard, tu comprendras. Tu pourras faire le PPA de. Merveilleux. Attention, on avait 55, on avait 0,4, on avait 44. Ah! Il n'y a pas trop de choix. Oui. Oui. Voilà. J'ai essayé de prendre droite et faire un accident de voiture aussi. Il y a qui est formateur PPA là? 21. Ouais. Bah 21, tu vas en profiter, tu vas faire les formations PPA vite fait. Ok, magnifique. Comme ça, le temps que 55. 39 a déjà son PPA par contre. Oui, il n'y a que 94 qui l'a. Oui, il y a que 94. Comme ça, le temps que 55 finisse aux EMS et après vous partirez en BE. Ok. Voilà. Moi, ouais, je vais partir avec. Je vais partir avec 39, je pense. Ok. Après, je suis preneur si jamais il y a un mec qui veut faire une formation conduite, CP, machin, truc que t'es pas. Oui, bah t'inquiète, on va voir tout ça tous les deux. Ouais. Je vais regarder un peu où t'en es sur tes formats okay. Et on va voir ça tous les deux. Ok, donc je pars avec 39, on a 94. Attends, en formation PPA. En formation PPA, alors attends, tac, je vais mettre. Ouais, le dispatch est pas à jour. Paf. Paf, donc Delta 2, ça sera 39 et 44. En format. Ah, je veux dire 22 à prendre son service ou pas, mais du coup elle est partie, je sais même plus ce qui est passé. Tu vois. On attend du dispatch, ok. Non, c'est bon, allez, on attend du dispatch. Bah, non, c'est moi qui vais de la glisser. Ah, bah je sais pas du coup. Attends, je vais la foutre au bureau et puis on va voir. Ouais. 55, toi tu dois aller aux EMS. Je te fous à l'hôpital. Hein. T'es rouge. Allez, c'est parti. Je veux bien quelqu'un pour même, mais oui. 66! Oui, je suis présent. C'est moi-même. T'as pas eu un petit souci hier soir? Un petit souci hier soir, bah, à part les trois coups de couteau dans le dos, non? Ouais, voilà. Un des agents de la formation, est-ce que t'as fait un cal-12 sur lui? Mieux. Okay. Mieux. Tu pourrais nous faire un petit rapport quand t'auras du temps? Je pourrais. Je pourrais. Merci. Et dans quel état il est le Goliath là? Faut demander à 55, a priori, il a fait des. Je sais pas moi. Il a fait des folies. Ah, c'est oui, vous partez en. Vous recevez 19 et. Moi je veux pars en patrouille. Pars en patrouille et 22, tu. C'est pas 21 qu'il avait? Pas pour l'instant. Ok. C'est pas vrai que pour l'instant, je suis concentré sur le fait qu'il y a un 4-12 que je n'ai pas récupéré. Bah, faut voir si c'est pas 0-4. 0-4 ou 21. Bon, je. Oh, les animaux. De centrale pour 21. J'appelle 21. Ok. Faites TPH. Okay. Et bah écoutez, bah, on part avec 39, mais bon, pas trop. C'est parti. Bah, tu vas venir avec moi. Hein. Bah, c'est parti. Allons-y. On m'amène à l'hôpital. Bon, peut te déposer sur le chemin. Par contre, on m'a pris mon véhicule qui était dans un état nickel, propre, avec le plein. Il est plus... Et bah, on aura un véhicule sans le plein, pas nickel et tout cassé. Tu veux, il y a un joli voleur sur le parc. Ouais, un petit truc. Alors, deviner, c'est toi qui conduisais? Non. Allez, zou, au hasard, on va prendre celle-là. Celle-là qui a l'air pas nickel, sans le plein. Tant pis, hein. Est-ce que je conduis? Allez. Tu veux conduire? Ok. Ou est-ce que je fais semblant de faire un. Oui. Oh. Allez, non, je te laisse conduire et puis je vais tapoter un rapport pendant ce temps. J'ouvre la fenêtre parce que ça me stresse et le pare-brise ça m'énerve. Oh, quel enfer. 25% d'essence. Oh la vache, ouais, c'est la totale. Ah oui, oui, bah oui, là. c'est qui conduisait? 21-94. Je ne sais pas. Je viens d'arriver. En vrai, je vais passer direct au garage. Hein. À quoi que non, d'abord les EMS. Oui, on va quand même le jeter aux EMS alors. Oui. Ouais. 25% d'essence par contre. Merde. Quel infâme. Quelle indignité. Mais déjà descendre à 25% d'essence pour une voiture en service public. Génial, en plus il pleut, on va être trempé.
Super. Vous pourrez valider le PPA et la formation procédure à 39 sur le suivi de formation. Que voulais-je faire ? Oui. Alors, qu'est-ce que... Allez, c'est parti. On les braque. Non, on fait pas ça ? Non. J'ai envie de tester quelque chose, mais pour ça, faut que tu montes côté conducteur. Qui c'est à moi ? C'est à moi ? Non, non, oui, le conducteur. Voir si... voir si cette... Et cette technique fonctionne toujours ou pas du tout. Il y a quelque chose que je veux tester, moi. Attends, ne bouge plus, j'ai envie de tester un truc. Oh, quelle tristesse. Il y a un truc qui est sur nos voitures sur actuellement et qui, qui est maîtrisable que par le conducteur. Ah oui. Et qu'est-ce donc? Je sens que j'appuie sur tous les boutons, moi. Bon, repartons dans... Le rapport. Titre. Épitaphe. Titre. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Ah non, c'est pas ça. Je savais même pas que tu t'es fait agresser, moi, hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé hier après-midi? Hier après-midi, suite à l'exploration urbex de notre cher ami 55. Non. Mais là, dans le même temps, elle est tombée sur des génies du mal, je pouvais pas m'en douter. Ah non, les génies du mal, bah oui, c'est pas le que je garde avec tant ce qu'il avait dans les mains. Des mecs qui font un laboratoire dans lequel tu peux rentrer mais pas ressortir, je suis désolé, c'est des génies du mal. D'ailleurs, qu'est-ce que je voulais demander? Oui, est-ce que t'en as pour longtemps ici aux EMS ou pas? Pour savoir si on a le temps d'aller réparer. Ah, tu viens faire une visite de contrôle? Bah j'en reste dans la voiture, hein. Vous m'abandonnez ici. Agression, plutôt. Agression, couteau du 66 et 03. Du 03-6-2022. Si c'était ça. Sur lequel la Barbara off. Oh. Barbarino Road. Ah oui. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi moi. Ferrette sur Barbarino Road. Même le Merc. Mais j'ai... Il y a la moitié des lettres qui passent pas sur le rapport, c'est une horreur.
Premier. Oh là là. Mon dieu. J'ai cru n'importe quoi. Alors, suite à un braquage de supérette sur Barbareno Road. Eh, merci pour le raid 04. Nous engageons une CP. J'espère à tous que vous avez passé un bon moment avec notre cher lieutenant. 2-19. Juste. Tire de 9 au parking, c'est normal. D'accord. Central bien reçu. Et moi, j'ai oublié ton prénom. Juste. Ah bah ils ont l'air... Ah faut peut-être que je descende, t'as fermé le véhicule? Non, c'est bon. Ok, non, nickel. De toute façon je peux pas le fermer quand t'es à l'intérieur. Ah bah bon, comme ça c'est réglé. Le central bien reçu. On va se diriger vers le garage nous. Allez, dirigeons vers le garage. On pare-choc qui est tout, qui est pété. Sud ou nord le garage? Alors, je vais tenter sud. Dès le premier virage, le véhicule suspect percute un concitoyen, puis n'ayant pas le temps de freiner, nous le passons en autre. Alors, est-ce qu'ils ont dit un truc sur le market? Un autre tour. Ah, j'ai fait le con. C'est bon. Mmh. Ouais. Les. On va tenter sud, mais. Ils ont pas dit qu'en quoi ils étaient ouverts au sud là. Les suspects arrêtent. Grette aux chênes. On va écouter la grette aux chênes. Oh là là, suspect. Mon dieu. Delta 1, reprise de patrouille. Ça, on va écouter la grette aux chênes. Oh bah nickel, il y a du monde, je crois. Demander s'ils sont verts. Non, après c'est pas une, c'est pas un garagiste. Je pense qu'on peut aller dans le nord. À mon avis, ouais. Allez, je mets un point pour le nord, c'est parti. Delta 1, on se rend sur le braquage Superette des vis à vue. On a dit qu'on allait au garage. Oui, on l'avait dit, oui. Ok, on l'avait dit. Garage nord ou juste mécano? Juste mécano. Mais le chat, tu m'énerves là. Réputation encore. Ok. C'est bon. Bon, j'en étais à où moi? Ça fait vraiment sur Davis Avenue là. Putain. Est-ce qu'on fait la CP avant ou pas? Quoi tu vois. Une Sultan RS noire occupée deux fois. Direction sud Davis Avenue. Ah ok, ils l'ont fait son jet-ing. Comment ça va? Nous étions. On va arriver devant le carcache. Et un shark. Direction nord Alta Street. Et. On va arriver devant le Wu Café. On remonte sur Innocence Boulevard. Et bien le bonjour, je suis en train de taper un petit rapport sur le panel des faits qui se sont passés hier. Deux unités, une unité ES. Non, n'importe quoi. Si, non, pas une unité, non, ES. Nous étions deux unités. Deux points. Shark 1 et un Delta. Du coup, maintenant j'ai le droit de sortir les gros calibres quand je vais être en inter Goliath. Bien ça. J'aurais pu le faire si j'étais officier. Je m'en servirai sans doute jamais, mais officiellement j'ai le droit. On remonte de nord, Innocence Boulevard. C'est ça. Et je crois que je vois mieux les phares éteints. Ouais, je vois mieux les phares éteints. Avec toutes les routes qui tournent. Direction Est, Capital Boulevard. Je suis. Mais écoute, on ira sur 70 chars vu que ça braque là-bas. Non, après plusieurs secondes. Direction toujours
direction ouest, Capitaine Boulevard. Après une trentaine. Merci de rouler sur votre côté et pas au bout en face. Passe devant le tour école. Après, t'arrives sans les phares. Oui. Limite les gyros, comme ça on nous voit quand même. On se demande pas quoi. Et c'est qui conduisait le véhicule? On est dans l'unicorne. De quoi? C'est qui conduisait ce véhicule? Aucune idée. C'est pas moi. Direction sud, Innocence. Je ne sais pas non plus. On passe devant Forum Drive. Je me suis approché. On passe devant le car wash. Le suspect. Laser en main. Pour leur demander. On passe devant le chantier en construction. Il va peut-être s'écarter. On est dans le parking en face de parking. Par rapport à moi-même et 03, oui, qui nous sommes fait poignarder hier soir. On s'ils avaient besoin de MS. On passe dans le parking rouge. Zut. S'ils avaient besoin de MS. Comment? Parking en face, j'ai... Sont alors sortis. On t'a sorti. On va sud cette anneau de la avenue. Sud sorti. On passe vers le châtier directement. Non, on va voir. G6. Sud de là. Delta 2 part en CP nous sur une. Avec une table en noir. On est dans le nord, on vous laisse la priorité. Sur le bas côté. Direction ouest, Saint-Andreas. On passe devant le parking rouge. Oui. Je l'aurai. Abonnez-vous. Demandez de retirer leur masque. On aurait posé un unitaire en fort. Zut, j'étais en majuscule. Allez, on recommence la phrase. On arrive sur Bépiti Avenue. Je leur ai demandé de retirer leur masque. Non, virgule. Direction nord, Palomino Avenue. Tendu. On remonte sur Little Seoul. Devriez le faire vous aussi. A pris ça. Ah, la volette. Passe devant la Weddle News. Vraiment pas beau. De nord, Palomino Avenue. Ah oui, non, attends. Je reprends ça. Direction nord, Cancer Way. Non, moi, quand je suis pas sur le moment. On est sur direction sud, occupation avenue. 66 et 03. On passe devant l'ancien plan du marché. CP sur une GB200 nord à bande blanche. Direction nord, le soutien du Notre Delta. Direction ouest, Vanish Avenue. D. Avec un accent. D. On aurait besoin d'une unité d'armes. Dès le premier virage, le véhicule suspect percute un concitoyen, puis n'ayant pas le temps de freiner, nous le percutons à notre tour. Le suspect s'arrête alors sur le bas-côté de la côte aux chênes. Nous étions deux unités. Direction ouest, Eclipse Boulevard. Là, j'ai pas besoin de leur mettre, vu que je viens de le dire juste avant. Après une trentaine de secondes. Attends, toujours je me suis ouest, approché du véhicule suspect, taser en main, pour leur demander s'ils avaient besoin de MS. Ils ont sorti de leur voiture et se sont mis sur le bas. 66, prépare-toi pour ta voiture. Ok. Manger. Direction sud, et que je vous le vois. Ouais, si, vous en avez. Mais on est un peu pressé. Oui, oui, je vous en prie, je vous en prie. Il a pris personne pour faire l'école derrière. Allons-y, je ne sais pas où, mais allons-y. Dorset Drive, direction. Dorset Drive, putain. Très bien, je prends l'école, on arrive sur Gratside, North California, direction Est. À tes souhaits. Ah, ça, c'est à côté, ok. On est sur Sea View Road, dans Gratside, direction Est, un véhicule sable. On vient de faire
Donc alors, on était où il manquait, vous devriez le faire aussi. De centrale, on arrive au 110, je crois. Vous devriez le faire aussi, car vous êtes vraiment pad. On va retourner vers 110 Shore. On est toujours sur Sea View Road, direction sud. Oui, c'était pas ça que... Impressionnant. East Joshua sur sud-ouest. On est dans 110 Shore. On va passer devant l'ancien commissariat, à une nouvelle écart. Juste en face de nous. On est dans 110 Shore, toujours sur East Joshua. Ouais. Ils sont là. C'est une Buffalo STX. On continue sur Joshua Road, direction ouest. Au bruit, j'ai reconnu. Déjà 3 sommations pour s'arrêter. Toujours Joshua Road. Ça continue direction ouest, ça va peut-être se rediriger vers le même chemin off-road. Non, ça continue tout droit sur la Joshua Road. On se remet là-dedans. Avec une Delta 2, hein, ils nous observent. Ils ont continué tout droit. Mmh. Allez-y. Là-bas à droite. Ouais, à droite, hein, j'ai vu. Je vais lever le nez de mon rapport. C'est ton cochon d'Inde. Non, non, je veux pas que tu mettes toi aussi. Ouais, celle-là, je la trouve drôle. Soit ils sont très loin, soit je sais pas où ils sont partis. Ouais, on les a perdus visuels. Hein. Ouais. Perdre des visuels. Hein. Route 68, direction ouest. Direction ouest. Oui. Non, je sais pas, j'ai cru d'entendre dire direction est, c'est pour ça. J'ai essayé de dire ouest, c'est possible que je me sois planté en le disant. Hein. En plus, il pleut et tout. Ah oui, d'ailleurs, ouais. Ouais ça ouais, glisse. Ouais, ouais. C'est ce qui arrive généralement quand il pleut. Bon, alors repartons. Bon, ça joue un peu. Une femme, cheveux. Après, je sais bien que cet été, on n'était plus trop habitué à la pluie. Mais je t'assure que ça fait cet effet là, moi je m'en souviens de quand il y en avait. Débardeur. Franchement l'été il a pas que là j'ai tourné, j'ai vu qu'on a fait tout droit, je fais oula. Ça s'est bloqué. Pantalon noir. Ah, tant pis hein, code 4. Et un homme. Sans prendre le code 4. Ici sur la grecque, bah, on est à côté. Delta 1, on arrive au... De noir, vite. Chez les mécanos. On va attendre un peu dans les poumons. Et deux. Attends. Masqué. Alors. Bandana. Non. Passe bouton. Noir. Ils sont alors sortis de leur voiture et se sont mis sur le côté. Essaye de faire quoi? 03. Hier, le capitaine, il m'a dit quelque chose. Enfin, ce matin, il m'a dit quelque chose, le capitaine. Oui. Ah oui, il dit quoi? Bonjour. Ah, il m'a dit que nos véhicules étaient déjà équipés de quelque chose. Du radar? Oui. Ah oui? Oui. Ah, c'est pour ça que tu voulais bidouiller tout plein de choses? Je voulais voir, moi, justement. J'ai essayé de regarder mon manuel ce matin dans le tableau de bord, j'ai pas trouvé. Vous avez trouvé dans le tableau de bord? Dès qu'on les a eus, j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Ah, mais fallait me le dire qu'on les avait. J'aurais cherché ah, aussi. Oui. Alors. Ah, c'est que le conducteur, apparemment. Oui, mais bon, que je pense que. Ah, c'est dommage ça. Je pense que je peux quand même l'avoir dans. Si dans le manuel, non? Bah, justement, j'ai cherché. Est-ce que c'est là-dedans? Ah, ou alors attends. Non, c'est pas là. Attends, ça. Essaye de recharger, peut-être. Ah, j'ai déjà fait, ouais. Ah, non. Ça essaye l'utilisation des armes, peut-être. Ça. Ah, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça, pas ça. Non. Oups, c'était pas ça. Ça fait quoi? Je crois que j'ai pris une photo en arrière-plan. Ah, oui. Je vois, oui. Ça. Non, pas ça. Alors. Non, pas ça.
ça. Ce sera pas ça, c'est sûr. Je suis en train de chercher dans le manuel 5M, là. Bah ouais, ouais, c'est ce que je voulais voir, mais pas convaincu sur là-dedans. Non, pas ça. Non. C'est pas ça non plus. Non. Ouais, vu que je suis pas conducteur, je peux pas essayer. Je t'avouerai que j'ai un peu tout essayé là. Du menu 5M ? Oui. Bon, on verra de toute façon. Hein. Au pire, tu l'appelles. Voyons-vous avoir un cours pour savoir quand ça fonctionne. Bah, parce que techniquement, c'est pas encore en marche. Le radar pour les nuls. Moi, curieux, j'ai entendu, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Nos véhicules sont déjà équipés des radars. Ok, j'ai pas de soucis, je vais tester tous les boutons. Bon, ben, je te laisse tester parce que je n'ai pas trouvé. T'as essayé la tablette? Ouais, la tablette, j'ai essayé aussi. C'est la première chose que j'ai essayé, justement. Oui, alors faut pas non plus massacrer le tableau de bord. Hein. Vous êtes recherché. Ah bon? Comment ça? Ah oui, je peux rechercher quelqu'un derrière? Ah oui, en effet. C'est original. Comment ça, je suis recherché? Qu'est-ce que t'as branlé? Ah bah d'accord, moi aussi, je suis recherché. C'est fou ça. J'en étais où, moi, de mon rapport? Ah oui, c'est ça. Ah, ça me fait penser que j'ai oublié de reprendre des balles de 9 mm. Moi, ça, j'ai recherché, oui. Non, toujours. Ah si, il y a ça. Non. Son laser. Non. En main. 21-94, fin de formation, retour PDP. La femme. Dommage. Approché. Et lui. En lui. Disons. J'ai trouvé! Ah? J'ai trouvé! Ouais. Qu'est-ce donc? Alors. Il y a le bouton sur le tableau de bord? C'est pas un bouton. Voilà. Ah bah d'accord. C'est pas un bouton. Vous avez compris? Non. C'est pas un bouton. Vous voyez quand vous mettez votre chapeau sans passer par. Chapeau. Attends, c'est quoi? Ah! Alors, du coup, attends. Limite de vitesse. 130. Ok? Et maintenant? Ça fait quoi? Bah, faudrait peut-être qu'il y ait un véhicule qui passe devant toi, non? 21, fin de service. Affichage radar. Ah! Ok. 94. Ah, tu as ta ceinture, par contre, là. Là, ah, c'est moi. C'est sur on. Ok. La limite de vitesse. Tu veux voir à quoi il ressemble Ok. On voit une photo du radar. Ouais, je t'envoie ça. Mm-hmm. Je vous l'envoie tous les deux. Hein. Alors, vous êtes où? Bah, à côté de toi. Enfin, moi derrière toi, mais oui. Non, mais je vous envoie ça. Photo du radar. Je lui rétorque. Alors oui. Normalement, la femme s'est approchée de lui en lui disant c'est bon. Tu peux. Oh là là, tu peux avec un X, pas avec un T. Mon Dieu, quelle horreur. Oh, j'ai ton taser. On va pas t'agresser. Ah, va falloir être patient parce que je. Oui. Et c'est radar fixe ou c'est radar mobile? Mobile aussi. Oh. En main. Et avant et arrière. Ouais, ça c'est logique. Mais attends. Ça veut dire quoi ça? 21, fin de service. Il a déjà dit. C'est con. Là. Non, on... Attends, ou soit je dois mettre d'abord la vitesse. Une nouvelle fois.
Ensuite, j'allume. En fait, quand je mets la vitesse, ça me la met. Et quand je roule, ça, ça va, c'est ma vitesse. Attends, je sais. T'as des boutons sur lesquels appuyer? Ouais, mais. C'est pas pratique du tout. C'est quel bouton? Parce que c'est encore autre chose à côté. Attends, c'est l'oreille, j'aurais plus de vous envoyer ça. Okay. Pour faire simple, ça ressemble à ça. Impressionnant. Ouais, non, mais il va falloir que tu sois patient. Hein. Comme je t'ai dit, le téléphone nul à chier. Oui, j'ai arrêté de parler. Donc, ça fait beaucoup de taser et de masques, hein, là-dedans. C'est bon, tu veux ranger ton taser, on va pas t'agresser. Je lui ai rétorqué que si il avait gardé son taser en main, et qu'on lui demande une nouvelle fois de baisser son masque. C'est bon. Elle dit, je baisserai mon masque. Pour le moral. Ouais, donc normalement, là, c'est mon radar, il est fonctionnel. Ah oui, parce que du coup, je sais comment ça marche, tout ça, oui. Ah oui? Ouais. Ah oui, il m'a envoyé des trucs là. Et j'ai une petite notification quand quelqu'un le dépasse normalement. Oui, okay. Normalement ça fait tut tut. Oui. Et là ça me dit la vitesse de ceux qui sont devant moi. Ok, attends. Attendez, Mais du coup, je vais mettre là. Hop. Radar avant, faut mettre en opposé. Et radar arrière, faut le mettre en sur la même route. Mais t'as vu la vitesse là ou pas? Ouais, j'ai eu la vitesse là. Là, j'ai eu les vitesses là. Et il roule à combien? 74, 94. Est-ce que t'as un log de la vitesse ou est-ce que c'est variable? En fait, c'est par rapport à c'est par rapport à la personne qui passe, ouais. C'est à côté de nous ça? C'est pas très loin, ouais. Enfin, faut qu'on descende là. Ah, quoi que. Oui, non. Oui, tu peux faire ça. Tu pars à gauche par 68 et tu redescends. Voilà. Bon, j'en étais à où? On est à 3 km du dernier. Ouais. Je vais ranger ton taser. Non, il le garde en main. J'ai une fois de baisser son masque. Elle dit que je baisserai mon masque quand vous aurez rangé le taser. J'ai envie de goumer quelqu'un de mon unité, j'ai le droit. Je sais. Même s'il est du même grade que moi. Ça dépend, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il s'est encore pas viré du dispatch alors qu'il a pris une fin de service. Autorisation accordée. C'est qui? 21. Bah oui, tu peux si c'est récurrent. Oh, même si c'est pas récurrent, il mérite. Oui. je te vais faire des calls, je suis toujours en plein dans mon rapport. Ah bah oui, c'est le long. Téléphone. Non. Ah mais il est déjà parti. Je vois ça, alors mon taser en la pointant et lui disant de laisser son masque. À ce moment... Oh, c'est-à-dire que je vais avoir sa vitesse quand il va rouler. Le second individu. Là, faut dire, elle est speedy, arrêtez-vous ou on vous goume. Sultan. C'est quoi comme véhicule, ça? Sultan. Une Sultan noir. De centrale, Sultan noir. Individu. Direction sud sur Rockford Drive. Alors... Oula, asséné. Comment il écrit asséné? Comme ça? Ah ouais, mais non, du coup, j'ai activé que celui de devant, en opposé. Ah, ça marche pas. Ouais. J'aurais dû faire la même. On passe devant l'entrée du Core Center pour direction sud, Rockford Drive. Négatif pour la tournée direction Est, Picture Perfect Drive, au nord de l'université. Au nord de l'université, au sud, pardon. Non, étant toujours conscient. Toujours Picture Perfect Drive, direction Est. On passe dans les petites ruelles, les villas, on va arriver sur Eclipse Boulevard.
On a pris Porte la Drive direction sud, on est en parallèle du golfe. On est sur Porte la Drive maintenant direction sud. Tour de la voiture. Ouais, horrible ça. On tourne au niveau de Monzona. On est reparti direction est. Il est autour de ma petite maison autour de Monzona. Je vais faire le tour de la voiture. On arrive au Rockport Plaza. On tourne direction sud, la Gonas Boulevard. 03. Le Delpé. Ouais, c'est bien ça. Parking rouge. On est parking rouge direction sud. À mon avis, ils étaient partis derrière, non? Le Chouti Boulevard. Ils étaient partis de l'autre côté. Ah oui, on va voir. On parle du parking rouge. On a pris direction ouest, San Andreas Avenue. Et on a pris direction sud. Au niveau du parking gris. On reprend San Andreas Avenue est. Dans le parking en face. On est en parking en face du parking gris. Attention, ça tourne sévère là. On ne pouvait pas le voir. Donc pourquoi l'unité derrière n'est pas projetée du coup pas. Pour passer, j'en sais rien. À gauche. Allez, je vais faire re à gauche. Ouais, on va dire re à gauche, ouais. Putain, la vache, ils sont tout au fond là. Andreas Avenue, direction ouest. Il a continué tout droit. Ouais. Je dirais qu'il. Je pense que là ils vont faire demi-tour, non? Power Street, Power Street. Direction ils vont tourner à droite. Ah bon, après on se les prend en pleine gueule quand même. Ah oui. On va partir sans manger. T'as pas la vitesse de quelle est l'arrivée d'en face? 35. Mais je pense que. En fait, vu que ça s'actualise tout le temps, c'est ça qui est embêtant. Ouais, c'est pas un lock. Mais en fait, ouais. Normalement ça se lock une fois que tu dépasses la vitesse. Ah, ok. T'auras un log de sa vitesse maximale. Ah oui, mais vu que là t'étais en log de 30, là faut, ouais. Je viens de voir un insultant venir passer à pleine vitesse là derrière. Vas-y. Mais à passer sud, ici là, tu vois. Comme si elle retournait vers Forum Drive par exemple. C'est exactement ça. À tout hasard, mais c'est exactement ça en fait, c'est ça qui me gêne. On essaye de faire un petit passage dans la rue juste là à gauche, voir si on voit pas une sultan à l'intérieur. Non, pas celle-là. Ah. Celle-là, là. En gros, tu vas là, mais sans t'arrêter, on va juste jeter un coup d'œil sur notre droite. Si on voit pas un véhicule du genre sultan noir. La rue, elle y a rien. Là. Ah si, 131. Il y avait une sultan noir. Du genre là, oh, oui. C'est bête, hein. Il y avait une sultan noir là, oui. Mais ouais, du coup, si j'ai retenu une vitesse. D'accord. Y'a pas de lecteur de plaque dessus? Non, pas de lecteur de plaque. Alors, T'inquiète, 03. Tant mieux, tant mieux. 2 Delta 2, Sultan Noir, bande blanche. Sultan Noir. Ouais, toute noire. J'ai Sultan Noir, ok. Merci. D'ailleurs, du coup, ça y est, ils reconnaissent tellement pas qu'ils sont des BGF qui se font passer pour des courails maintenant. Et comme les courails se font même pas passer pour eux-mêmes. Reprise de patrouille, niveau de parking rouge. Non, moi, je vais juste faire ça. Parce qu'il y a un truc qui est pas pratique. Et c'est que du coup, je vois pas mon essence. Tu peux déplacer le panneau? Ah, justement, c'est ce que je veux voir. Non, je peux pas. Oh bah, chat! C'est mal foutu. Après. Ah non, il se désactive. Ah ouais, c'est chiant ça. C'est un radar fixe. Non, si, on peut s'en servir en roulant aussi. Connaissance. Oui. C'est bizarre, on a trouvé une sultan noire dans la rue des BGF. On a vu une sultan noire, on a perdu le visuel, on s'est arrêté à un endroit, on a vu une sultan noire passer à toute blinde et après on en a revu une dans la ruelle des BGF. C'est bizarre, hein. Allez. Par contre, du coup, ils assument tellement plus d'être BGF qu'ils se font passer pour des courails maintenant, ils se mettent tout en noir. Relisons tout ça.
Suite à un braquage, non, j'ai un shop pour une accent sur le. De supérette sur Bavarne Road, Great Ocean. Nous en trois engageons une CP sur une. J'ai vu de son or avec bande blanche. Non, il y a un accent. Bah écoute, on va les choper, on va les défoncer. Hein. Avec le soutien d'une autre Delta. Ah non. D'un autre Delta. Non, non, c'est bon. Mais je sais pas pourquoi. Poser le plein d'essence et je suis tombé. Dès le premier virage, le véhicule suspect percute un concitoyen n'ayant pas le temps de freiner. Nous percutons un autre tour. Bah après, 220 en ville, autorisation de pit. Hein. Le suspect s'arrête. Ouais. Oui, à tout de suite. Pas l'ominovenu, c'est pas trop mal. Sur le braquage, arrête alors sur le bas-côté de la bateau. Après une trentaine de secondes à attendre, je me suis approché du véhicule suspect à en main pour leur demander s'ils avaient besoin d'AMS. Une femme cheveux blancs, des bordeaux blancs dans le noir et un homme tout de noir vêtu. Delta 1, quelle distance? Les et du coup, tu les aimes bien, 49, les bûches? Non, je préfère celle d'avant, elles étaient bien plus équilibrées. Les deux étant masqués dans mon amendement, sont à l'insortie. C'est d'abord, je rappelle, là j'ai pas besoin de le faire, mais c'est juste une question que je reprenne le coup de main et je pourrais refaire ce que j'en veux. Comme ils se sont mis sur le bas-côté, bah ouais, je leur ai demandé de retirer leur masque. Une fois qu'ils seraient habitués, quoi. Ils m'ont répondu, vous devriez le faire, vous... Ah, là, plus quand même tendance à perdre vous êtes vraiment pas bon, ils ont trouvé. Ah, ils sont déjà deux, on décroche. Bah, taisez leur les pneus. On va voir, ça va peut-être dégénérer. Delta 1, okay. On va sécuriser la supérette. Ah bah alors... Ah bah non. Qu'est-ce qu'ils font là, hein? Merci. Bon, je me mets juste en face. Les deux sur l'inter, s'il vous plaît. Pourquoi ils ont papoté là? On passe ensuite contre la Sultan Noire, on passe devant le UU Café. Bon, finissons de lire. On est sur Adam Sapin. Nous travaillons toujours sans erreur en main. La femme s'est approchée de lui en disant c'est bon, tu peux ranger ton taser, on va pas t'agresser. Je te vois. Ils prennent à droite, direction place des cubes. On est sur Saint-Andréa Samedi, direction Est. Oui, j'aime bien l'école, simple et précis. Droite, c'est simple et précis. Ça fait le tour de la place des cubes, ça passe devant la banque. Je vais retorquer. Il va garder son taser en main. On est sur le parking, ça passe de, dans les petites ruelles derrière l'ammunition. Il nous a vu en face. Il ça repasse le côté ammunition. Ça passe devant l'ammunition et devant le concept. On est sur Adam Sapple, ça prend à gauche. Ça va dans les petites ruelles. Il faut arrêter. Ça est en marche arrière dans tout l'Olympique Souhait. On est toujours dans les petites ruelles, on vient de sortir. Oui, oui, il est là. Power Street direction sud. Donc toujours Power Street direction tout le boulevard. Ça va remonter, ça va passer à côté du cache-car, ça va dans les petites ruelles. Ouais, laisse-les passer. Ouais, je les laisse passer. Ils se sont plantés, ils repartent. Vas-y, va derrière, peut-être là-bas, ouais. À moins qu'ils ressortent de ce côté-là, je pense. Dans le coin. Ils sont partis sur la Puerta Freeway. Ouais, ils sont partis en dessous. Ouais. Est-ce qu'on peut rejoindre là? Non, à mon avis, ils sont là, là au-dessus, ouais. On est toujours sur la Puerta. Ah, d'accord, ils sont passés par là. Ils sont passés en ouais. Va. Sur l'Olympic Freeway, direction nord-est. On va reprendre l'échangeur. Hein. Olympic Freeway, direction nord-est. Oula, ils ont eu un AVP. Je mets un point sur l'Olympic Freeway, on verra bien. Ok. Bon, je finis vite fait. Une nouvelle fois, de baisser son masque. Elle dit taser, je sors alors mon taser en la pointant et lui disant de baisser son masque.
à ce moment avec un accent sur le A. Le second temps est venu, mais ils sont montés par là, ils sont partis en direction sud, c'est ça. Hein. Putain. Est-ce qu'il y a un échangeur où ça leur prend celle-là? Bah attends, je crois qu'ils ont envoyé le point. Ou ça c'est de l'autre côté, vas-y. C'est pas le point, ouais, c'est là. Le point, c'est le point. Ils sont là-bas? Bah apparemment. Ils sont peut-être en dessous sur la Del Perro. Ah c'est ça, oui, ils sont en dessous, ils sont en dessous. Ah oui. Ah, là il y a un véhicule. Et donc il serait là-bas à gauche. Ouais, là-bas en face à gauche. J'essaie de passer dans les trucs qui se sont plantés, c'est ça? Ouais. Ils sont là à côté. Delta 1, on repart en patrouille. Je pense que deux unités ça suffit. Hein. Et merci pour le follow. Charmi 12. Et alors, oui, bonjour, le sergent, pas sergent chef. Et le bonjour Gimli. 09, bonjour lieutenant. On vient vous chercher juste après. Jason Santana, le frère. Donc, ouais, c'est vrai que ça veut dire. Pour Delhi 8. À compter de maintenant pour une durée de 20 minutes. On va forcément. On est maintenant fini de relire. Étant toujours conscient, je l'ai vu faire le tour de la voiture pour s'attaquer. Ça s'en va et ça revient. Attaquer. Juste, vous fouiller, tu vas tomber, t'as chuchoté. Ouais, bah attendez. Vous avez quelque chose de dangereux sur vous? Attaquer. Alors, 3, ouais. La femme s'est gardée dans 3. Arrête. Arrêtez-vous. Vous mettez face au mur, s'il vous plaît. Connaissance. Vous avez les bras également. On est bon là. Vous avez quelque chose qui peut me blesser ou vous blesser? Ouais, oh ouais, c'est ce que je viens de vous dire, j'ai un couteau sur moi là. Validation. Et on enregistre. Parfait. La plante est faite. Ouais, il y en a pas mal. Le Twist Blade, c'est un couteau? Comment? Le Twist Blade, c'est quoi? C'est un couteau. C'est un couteau, d'accord, je vais vous le prendre. Restez face au mur, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais vous prendre le couteau, le votre 4 bis, votre point américain, le lockpick, c'est illégal, alors je vais vous le prendre. Puis voilà. Bien évidemment, je vais vous demander de couper vos communications radio et de vous mettre le téléphone en mode avion. Allo 66. Oui, je viens de me poser une question à l'instant. Niveau objets illégaux, enfin plutôt l'objet légaux, c'est bien tous ceux qui sont dans la liste de la formation. Ok. On va aller. Parce que. C'est-à-dire que là, on a un individu qui a un couteau, mais c'est pas le couteau qu'on peut acheter directement à la munition. Est-ce qu'il est légal? Ok, d'accord, c'est ce que je pensais. Le couteau que t'as récupéré sur l'individu. Comment il s'appelle exactement? Sweet Blade. Sweet Blade. Étant donné que ce n'est pas un couteau qu'on achète à l'Amination, c'est une arme illégale. D'accord. Voilà. C'était pour toi. Oui. Il avait du pognon, mais genre 13 000 et quelques à peu près là. Oui, non, ça c'est légal. Oui. Okay. C'est juste la moula qu'on récupère. Le pognon c'est légal. On ne s'occupe pas. Pas de soucis. De l'autre côté. Stagiaire 102, je crois. On va en direction PDP, hein. Affirmatif. Enfin, si je peux passer, bien sûr. Ouais. Bon, bah, le rapport a été fait. Merveilleux. Je sais plus qui me l'a demandé, mais c'est fait. J'ai compris ce qui s'est passé, mais oui, on va faire comme ça. Oui. Putain, vous avez le turbo sur vos voitures, vraiment. Hein? Vous avez vraiment le turbo sur vos voitures. De quoi? Je sais pas de quoi vous voulez parler. Ça s'entend à 3 km. C'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma. J'avais aquaponais? Oui, j'avais aquaponais, oui. Oui, c'était ça, oui. En fait, j'ai du poignet, puis il y avait de l'eau. C'était de l'aquaponais, du coup. C'était exactement. De l'eau de là? Non, de l'eau d'ici. Oui, oui. Ah zut. Et d'ailleurs.
Exactement. Delta 1, pied à terre à la pratique. Cette fois, je monte avec vos collègues. Pourquoi non, franchement, vous avez les unités d'élite du LSPD. Hein. Ah bah ouais, je me doute. Franchement, ouais. Là, vous n'aurez pas mieux. Hein. Ah si, peut-être un, mais je dirais pas lequel, oui. Oui, si, si. En vrai, parfois, avec le commissaire, on s'amuse bien aussi. Hein. Faut lui reconnaître ça. On pourrait faire une tier liste du LSPD. Toujours, Delta 1, quand vous aurez fini votre pied à terre, est-ce que vous pourrez venir sur la dernière position TPH d'une unité? Vas-y. Ah, mais on est central, nous, en fait. Ah oui, on est central depuis tout à l'heure, oui. Bah, je savais pas. Oui, bah, moi non plus. On nous a prévenu qu'on était central? J'ai comme un léger doute. C'était moi central à la base. Ah d'accord, ok. C'est pour ça que ça nous a pas prévenu qu'on était central. Vu qu'on était déjà de base. Oui. J'ai tellement concentré dans le rapport que j'ai même pas vu. Eh, pas de soucis. Mais bon, c'est bon, c'est fait. C'est en même temps, c'était 55 qui faisait l'école. Oui, 55. Ouais. Vous êtes déjà allé en bas? Ouais. Ouais. Vous êtes déjà allé sur le Nifty là-bas? Ah. Le quoi? Le Nifty. Ça met de là. Ouais, non. Mais c'est sympa aussi là-bas. Ouais, c'est pas un truc pour moi ça. Ouais, franchement, si, ça va, c'est sympa. Mmh. Oh. 12:49. Ben non. Forcément, pas toi, je l'ai enregistré. 3-4 ? Non. Et bonjour. Et bonjour. 12 ? Non. 22. Non. Je l'ai enregistré. C'est parti. Non. Oh, il y a du monde, disait. Alors, ouais. 0-1. Non. Voilà, je sais pas si... Mmh. Et ça peut être qui m'a appelé là. Ah ah 44, ok. C'est chiant qu'on s'est pas enregistré. Bah ouais. Alors déjà on va enregistrer, puis après j'allais voir 44 pour savoir pourquoi il m'a appelé et qu'il m'a raccroché. Au niveau du mur, je vais refaire une petite fouille, une petite palpation, je vais essayer bien tout prêt. Mmh. Ah moi ouais, ah, je suis tout nul. Ok, c'est enregistré, parfait. Et de l'argent, ok. Alors, est-ce qu'il y a un 44 sauvage par ici? Pas l'impression. Non, je crois qu'il est en Delta. Ah non, oui, il est peut-être coincé avec le véhicule suspect, non? Ouais, je crois, j'ai entendu ça sur les autres. Ah oui, ça doit être ça, oui. Il est où votre collègue? Ah, il est... ah, je l'ai pas vu. Ah bah. Ah bah, il aurait pu. Bon, monsieur Sultana, ah, vous êtes en état d'arrestation pour délit de fuite à compter de. Les droits de mission ont déjà été lus. Alors, ça, normalement, faut le faire au PDP. C'est mieux. Mais bon. C'est quoi ce qu'il y a pour faire là? Il y a un truc pour faire dans les cellules. Oui, c'est. Il n'avait plus à manger et à boire, du coup, j'ai déposé des plans dans la cellule. Pourquoi qu'il nous fasse un. Ouais, j'avoue. En vrai. Mm-hmm. Oui, ce serait dommage. Vous avez pas de macarons, s'il vous plaît? Quoi, vous avez des macarons verts, c'est ça? Non, non, des macarons bleus. Ah. Ouais, ouais, des macarons bleus. Non, c'est bon, on a changé, maintenant c'est des bleus. Si quelqu'un a un ton différent de l'autre et tout ça, parce que quelqu'un a vendu des macarons, c'est une galère, donc c'est mieux de dire au PDB. Delta, je crois que. Ça, c'est qu'un détail, c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde, voilà. Quand tu arrives au PDP, les gens vont déposer leurs affaires personnelles dans leur casier. Okay. Ce qui est bien, c'est de mettre leur téléphone sur en mode avion, parce que parfois on entend leur téléphone sonner. Je leur ai dit déjà de mettre téléphone en mode avion et tout ça quand on était là-bas direct, en fait. Parfait, c'est très bien. Voilà, donc tu leur dis juste de laisser de garder à boire et à manger. Ouais. Soit tu refouilles après. Selon la personne, franchement, il y a certaines personnes qui sont honnêtes et fais pas chier. Ça, en fait, tu vois au comportement quand même. C'est... Voilà. Ouais. Et tout meilleur, tu les surveilles. Donc, évidemment. Si le mec il veut pas se prendre une bonne amende comme il faut, voilà. Après, une fois qu'ils sont en cellule,
Tu fais tous tes papiers là, tu sais, dans amende, tout ça, tout ça et tout ça. Alors ça, niveau paperasse, par contre, on m'a pas expliqué. C'est ça qui me manque, c'est la partie qui me manque. Le panel, on t'a pas expliqué ? Ah, absolument pas. Ok, alors on va t'expliquer après. Donc tu prends, tu te souviens, bah Toumière, c'est qui a mis des personnes en cellule ? C'est qui ? C'est eux. C'est 59 et 04. Oui, je viens pour quoi ? C'est ça. Non, 2. Non, 39, 44. J'étais avec 44, moi. Je vais appeler 44. Allez, au 44. Je veux que ça soit toi qui fasse le sur le panel. Pour que tu apprennes, parce qu'en réalité, pour apprendre, il n'y a rien de mieux que de le faire. Au bureau avec 12 et 22. C'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. Je voulais être avec toi. Il répond, oui. Ouais, c'est la PC. Ah, d'accord. En fait, il me filtre. Merde. Ok. T'as pas rempli le paplard dans le panel pour l'instant. Tu lui as foutu l'amende ou pas ? Central 09 et 69, vous formerez Delta 3. Ouais, 09, nickel. C'est suivi. Délit de fuite et supérette, c'est ça ? Et affirmatif. Je crois que c'est ça. Exactement. Nickel. Parfait, parfait, parfait. Et. Oh putain, je l'aime 51. Ok. Oh putain, je kiffe. Oui, ça. Parfait. Ouais, alors, non, on va pas faire ça. Mais en vrai, alors, on va pas faire ça. Mais. Parce que 176 sur un délit de fuite, enfin. Tu peux pas enlever le. Si, t'enlèves le permis. Oui, mais c'est pour ça. On va pas le... Pour l'instant, on va pas le faire, le retour du permis. Déjà mais je... Oh, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? On retire le permis. Oh. On va le faire. Il faut. Ouais, on va le faire. Ouais, c'est bien. Ouais, on va le faire. Ah, bah oui, bien sûr. Mais justement, vous avez peut-être pas la saisie du véhicule parce que l'autre peut prendre le véhicule. Donc voilà. C'est qui conduisait, tu te rappelles ou pas? C'est Kiki. C'est celui qui est carré qui a la casquette. Ok. Ouais, voilà. Nickel. Merci bien. Oui, celui qui a la casquette. Ok. Putain, non, si c'est dingue, faut pas que tu annonces parce que déjà je me suis pris la tête avec. Ah non, pas longtemps, des bisous. Des bisous. Donc, oui. Alors. Tu vas faire le trou dans le panel, ouais. Ils sont en train de s'en occuper. 66, tu peux leur dire aussi de retirer le permis de Monsieur Santana, celui qui a la casquette. Oui. Okay. C'est une question, parce qu'il a une arme illégale, mais il n'est pas catégorie 2. Non, c'est catégorie 1, je pense. Ouais, il n'y a pas de ligne. Alors, j'ai un doute, franchement. Oui, mais tu le prends et c'est terminé, c'est tout. Bon. Oui, donc, on ne peut pas d'amende pour ça. Pied de bille, c'est pour Américain, ça c'est légal. Oui. C'est légal, sauf. Non, bah c'est bon, je disais c'était qui, c'est bon, t'inquiète. C'est bon. Ah ouais, bah. Il... Ah, oui, bah en même temps, on en a pas 50 à ce grade-là. Un petit indice, c'est... il est dans la pièce. Un petit indice, il a une copine. Oui. Bah, ici, c'est pas. Vous avez tous une copine ici ? Hello. Putain, vous devrez chercher, il y en a plein aux OMS. Ouh, on a foutre. Ah, un acharné de travail comme on les aime. Ça, c'est une bonne mentalité, ça. Giga Chad. Ouais, ouais. Son lit comme un rock. Non, c'est pas le fit, ça, merde. Et vous faire Santana à casquette. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. C'est deux Monsieur Santana, là. Oui, c'est pour ça, Monsieur Santana à casquette. Oui, et bah. Vous avez pas votre permis. Vous avez été flashé à 170 sur la course-poursuite. J'ai pas mon permis. Comment ça, j'ai pas mon permis ? Non, vous allez perdre votre permis. Ah, d'accord. Oh. Ah oui, si, c'est vrai, on a des nouveaux joujoux maintenant. Bah oui. Vous avez des radars. Tu veux devoir conduire sans permis. Oh non, merde. Zut. Zut alors. Putain. Non, ce sera vous avez votre permis. Je vous jure qu'après une supérette, conduire sans permis, on s'en branle un peu quoi. Ouais, j'avoue, on va braquer une supérette. Oui, je me doute. Mais après, j'ai conduit sans permis et à la saisie du véhicule. Comment ? Saisie du véhicule. Conduite sans permis. Surtout que c'est la mienne, donc vous allez saisir au du final, coup. Au final, vous allez rassaisir. Non, non. Bah, si vous continuez à. Si on vous attrape à conduire sans permis, là, avec votre tout de suite.
Voilà. Ah, ok, ok, ok. Pas oui, non, là, on va pas saisir. Là, vous pouvez repartir avec, vous avez pas votre permis. Pas de soucis. Bon, mais vous inquiétez pas, c'est un honnête citoyen, va repasser oui, son permis. Oui, ouais. En plus, avec les radars, on va pouvoir être encore plus chiant sur les contrôles. Du coup, si on vous chope bon, sur un contrôle et que vous avez pas le permis, c'est pas comme là, si vous étiez déjà assez chiant comme ça, quoi. C'est pas comme si vous étiez déjà chiant comme ça. Quoi. Franchement, moins chiant sur les contrôles random, non, jamais. Non, mais on parle de, en termes de rapidité. Alors, vous voulez des stats qu'on rigole un petit peu? Tout à l'heure, on a lancé une supérette. Vous savez que la première voiture a débarqué au bout d'une minute. Même pas. Au bout d'une minute, même pas. Après, ça dépend de. Parce qu'en vie, il doit pas y avoir grand chose. Mais non, c'est juste qu'on est très efficace et très nombreux. Ouais, c'est surtout qu'il y a personne qui fait des trucs, quoi. Ah, parce que peut-être qu'on était juste à côté aussi. Ça, on vous donne du taf, quoi. De toute façon, vous pouvez pas dire le contraire. Dans tous les cas, à notre arrestation, vous étiez 4 voitures, donc bon. Ouais, j'avoue. 4 non. Ils sont encore 5 dans le PDP à se branler. Nous, on passait juste par là. On est nombreux sur le terrain là. C'est vrai que vous êtes une équipe de. On est étonnamment nombreux. Ah, c'est vrai qu'il y a quelque chose à contrôler sur la freeway. Ouais. On est des milliers. Ah, d'ailleurs, tu sais quoi? Et ils ont des turbos sur la voiture. Sérieux? Ouais, ça s'entend là. C'est le. Ah oui, d'accord. Ouais, et belle imitation par contre. Ouais. De quoi? L'imitation du turbo. Ah ouais, l'imitation. Très bien faite. Ouais. Vous pouvez me libérer pour ça? Bah, alors par contre vous êtes là jusqu'à quelle heure parce que bon, bah, on vous a dit 20 minutes oui, tout, hein. Machin 20 minutes à partir de quelle heure vous avez les droits bah enfin. J'ai pas mon téléphone donc je peux pas vous dire il est quelle heure si bah, non, le monsieur là qui m'a tout pris là il m'a limé mes droits il était 15h20 ouais pareil ouais 15h20 bah ça fera du 40 4 minutes ouais. 4 minutes putain par contre ce qui m'inquiète un petit peu c'est que le monsieur qui m'a limé mes droits il n'est pas là et c'est lui qui a toutes mes affaires. Ouais, pareil. Oh, c'est bête. Qu'est-ce qu'il a comme affaire? Vas-y, dis en premier, parce que moi, ça va être plus dur. Non, parce que c'est bon, il y avait mon cran d'arrêt fétiche, là, donc non. Alors oui, non, celui-là, vous n'avez pas le récupéré, vu que c'est pas une arme légale. Bah, comment c'est... ça, c'est pas une arme légale? Je l'ai pas utilisé, ce que on je cherche. On l'a pas utilisé, ouais. Ah, bah, oui, mais vous pouvez pas l'acheter par en ammunition. Les armes, bah, voilà. Ah, non. Non. Bah, si. À l'ammunition, ça bah, vos collègues, hier, ils nous l'ont pas pris. Ah oui, bah, ils ont fait une erreur. Ah, c'est ça qui est choc, le SPD, c'est qu'un jour c'est oui, un jour c'est non, ça, le lendemain c'est peut-être. Oh là là, mettez-vous oh bah d'accord les gens. Hein. Après, dans ce cas-là, ça veut après, dire que là, si je ressors une pizza de mon frigo, c'est illégal parce qu'on peut après, pas l'acheter. Après, vous voyez, ça prouve qu'on n'est pas des robots et qu'on fait pas toujours tout selon le... Bah pour le coup, vous serez pas après, un robot, vous m'aurez rendu mon couteau parce que de base, je l'ai pas utilisé, j'aurais pu très bien vous planter si j'aurais voulu. On est bien d'accord. Je l'ai pas utilisé, j'ai fait preuve de bonne foi, vous pouvez me le rendre du coup. On était 5 autour de vous, c'est pas moi qui gère la procédure. Moi, je suis juste là pour faire le garde. Et c'est ça qui est con en fait dans cette histoire, c'est que tu vois, on est tout le temps gentil, en fait, on se fait toujours niquer. Au final, on va devenir méchant comme les autres, on va gagner du temps. Moi, j'avoue, on va planter tous les keufs qu'on voit. Oh, c'est débile au final. C'est pas conseillé. Non, mais vite. Bah c'est pas conseillé, je suis d'accord avec vous, mais c'est ce qui mais va arriver. Mais qu'on l'utilise ou pas, c'est pareil en fait, donc c'est débile. Non, c'est pas comme quand... Ah, vous auriez... Allez demander à celui qui a pris 45 000 d'amende quand il a agressé deux Oui, mais au final il a perdu le couteau. Bah non, mais vous vous rendez compte là, quand même vous êtes en train de dire... Je vous avoue qu'il a gardé son couteau, par contre il a bien pris ses 45 000 d'amende. Vous êtes au courant quand même que... Enfin, si on fait des supérettes, sachant qu'on sait qu'il y a entre guillemets personne qui fait rien sur l'île et que vous êtes 18 dans le PDP, c'est qu'on s'en fout un petit peu de la thune. Bah oui, nous, vous on êtes au courant de ça. Nous, on faisait pas ça pour faire de la thune. Ouais, si on s'en fout. On va en faire, il n'y a pas de soucis. Non, vous voulez juste jouer avec nous. Ah oui, non, mais je comprends. Donc, enfin, c'est pas moi qui gère la procédure, quoi. Ouais, mais vos procédures. Bah, je vous avoue. Vous savez ce qu'il fait le monsieur derrière vous, franchement. Je vous avoue que pour le coup, vous êtes en train de me dire que vous me confisquez mon couteau parce que c'est un couteau différent de d'habitude. C'est ridicule. Vraiment. C'est qu'il n'est pas sur le marché, en fait. Oui, non, mais... Bah, si on l'a acheté, c'est qu'il est sur le marché. Vous l'avez acheté où? Ah bah, on l'a acheté. Ah bah, si vous nous dites tout, on peut peut-être vous le laisser. Bah, vous voyez, sur la plage, il y a des genres de tirettes. Vous mettez $1 dedans et normalement, vous avez une chance d'avoir un couteau. On avait des toutes les super. Non, mais c'est l'homme, les gars, je suis dû aller voir, je l'ai pas eu. Delta 3, ah, c'est qui qui pas la Venetian, celle-là. Bah, si, c'est juste sable avec bande noire. Je crois qu'il est plus en vie celui qui me l'a fait. Ah, c'était pas sur les couteaux, non, c'était pas sur les couteaux. Oui, non, j'ai dit des bêtises, pardon. Oui, il y a peut-être des couteaux. C'est un génie, j'aurais voulu le saluer, mais il n'y a plus le nom. Putain, peut-être c'est sur les distributeurs. Direction sud, Mirror Drive. C'est bon, je crois que on va pas les faire sortir. On attend toujours nos affaires.
C'est vrai, ça. En direction sur Mirror Drive. Oui, 39. On tourne maintenant en direction sur Mirror Drive. Est-ce que t'as pris des objets à ces messieurs, toi, ou pas? Non, c'est l'autre monsieur. Ah si, ça en a sur toi? J'ai pris Lockpick, Street Blade, PSB, c'est pas américain. Je suis en direction sur Mirror Drive. C'est le mien. C'est ça. Bon, vous pouvez faire un effort 39, je vous aime bien rendez vous le couteau aussi. Non. C'est un couteau familial. Oui, est-ce que tu étais sur la récupération des deux individus BGF tout à l'heure ou pas? Oui, j'étais dessus. Je suis à temps d'arriver au commissariat. D'accord, ok, oui, parce que tu as des affaires de l'un des deux, il me semble. Bien sûr. Ok. T'as récupéré quoi sur lui? Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré sur lui? A priori, la liste est longue, oui. Attends, j'arrive. Je le vois, je suis là à heurter un citoyen. Alta Street, direction nord. Ah oui, il est là. Vous connaissez vraiment bien. Hein. Les voilà. Tu peux récupérer mes affaires, s'il vous plaît. Ouais, c'est alors, je suis bien. Je vais vous montrer. Ouais, écoutez, ah, ouais. Sur le continent. Moi, la liste est longue, a priori. Je vais vous rendre. Ah, ok. Bah, je suis là à l'intersection. À l'arrêt, à l'intersection. Le couteau, c'est un couteau traditionnel? C'est un couteau. Ok, non, bah, donc voilà, c'est vrai. Blade, je garde voilà, c'est ça. Mais c'est quoi le problème avec le Switchblade en fait? Bah, c'est que c'est une arme qui est pas en vente. Bah, c'est débile. Mais c'est comme ça. Après, pareil, on n'est pas tout seul. Triste réalité, malheureusement. Bah ouais, mais c'est débile. Dans ce cas-là, on prend le même couteau, ça fait les mêmes dégâts. Ah ouais, bah oui. Baladez-vous avec tout le couteau, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est limite plus dangereux celui-là, parce que celui-là, c'est, on va dire, il est dentelé. Oui. Et je suis pas gouverneur mais agent de police, je fais appliquer la loi moi aussi. Ah oui, bah ça je me doute. Alors, une arme illégale reste une arme illégale en fait. D'accord. Ça je me doute. Voilà, et puis c'est tout. J'oubliais la ralasse là-bas. Oh, bah elle était pas si longue. Pas si longue que ça en fait la liste. Non, c'est que là j'ai déjà rendu 4 trucs alors, et j'ai toujours la Switch Play, le lockpick, le passe-partout et les 4147 de moula. Ah oui, d'accord. Ouais, il ne reste plus qu'à demander les messieurs du coup. Cela, en fait, cela exactement. De toute façon, c'est la même pour les deux. Temps, on va pas le braquage de Super Hit. C'est compliqué là-haut. Ok. T'as déjà demandé monsieur, toi, 55? Ça fume dans le PDP en plus, putain. C'est pas votre procédure, c'est pas moi qui gère. Moi, je demande rien. On va discuter juste en cellule. Allez, venez avec moi. C'est pas moi qui prends les décisions là-dessus. C'est bon, ils sont partis là-bas. C'est dangereux, mais c'est pas. Nous, on retourne en patrouille. Pour vous avez rempli les documents et tout? Pas du tout. Non, justement, va avec 44, c'est derrière toi, il est en train de faire. Toi qui le fera. 65 prises de service en attente. C'est pas notre procédure, il se démerde. Exactement. Alors, oui. Qui veut faire un delta avec 65? Alors, non, en fait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je reparte en patrouille pour 15 minutes? Ok, est-ce non, que... 65 qui vient avec nous. 65 qui vient avec nous. Oh, quelle déception, il manque encore 2000 balles. Tu les veux? Je peux te les prêter si tu veux. Allez, soyons fous. Attends, faut que je note dans mon petit compte en banque super magique. Quoi? Je ne sais plus combien. En tout, il me faut 136 000. Là, je suis à 133. Oui, je te prête combien? C'est ça les questions. Étant donné que je ne veux pas me balader avec un truc plus moche dégueulasse. Au pire, tu me fais une demande d'argent, je ne sais pas comment ça marche. Comment ça marche? Zut, pas comme ça déjà. C'est ça? Non, pas sans transfert. Ah? Non? Ah? Ah oui. Je sais pas. Rechercher. Merci, je mets ça. Non, bah, je pense pas. Ah oui, c'est peut-être les factures, bah, je sais pas. J'ai reçu un... de l'argent déjà, de monsieur à droite. Ah merci bien. Bon, bah, je vais prendre une fin de service et puis je vais acheter ma dernière coquette pour remplir mon garage. Ah oui. Zut! Les vestiaires sont de l'autre côté. D'ailleurs, quand est-ce qu'on a les trois coquettes? Quand est-ce qu'on a les primes? 4. On les a eu déjà. Ah. On a eu les primes. Bon, perso, je l'ai eu. Du bois. T'as eu ta prime, comment ça? Tu l'as eu quand? Bah là, aujourd'hui, ce matin, là, du bois. Je suis arrivé à midi. Bah non, j'ai pas de prime. Je vais porter plainte. Ouais, t'as porté plainte, c'est il y a deux semaines. Non, d'ailleurs, en fait. Ah oui, non, on a pas eu les primes. Ah, oui, c'est bête, cool. Je disais, fait oui, on a bon, pas faut dépêcher, sinon on n'aura pas le temps. Vos gars, les retournent en patrouille, putain. Ah, d'ailleurs, si. Faudra me déposer. D'accord, lourd l'ambiance. Allez, récupère la voiture direct. 66, fin de service. Il s'est vu de faille. Bam. Ensuite, on va au niveau du... là. Hop. Yep. Yep. Là. Voilà, ça, voilà. Et, bah, on l'éteint, sinon ça va gueuler dans les oreilles.
Ouais. Ah, t'as voilà. On récupère, parfait. Oui. Est-ce que des collègues fort sympathiques pourraient me déposer au concessionnaire? Vas-y. Bah, allez, merci bien. Soyons fous. Centrale, reprise de patrouille. J'ouvre. Ah putain, ah, j'allais j'ai ouvert. J'ouvre. Non, je suis passé. Laisse-moi ouvrir, je suis passager. J'ouvre. Ah, vas-y, tout. Qu'est-ce qu'il est? Quel fier. J'ai fait ouvrir. Tant que ça fait chier, je joue. Attention, je te préviens, je vais me mettre au radar. Putain. Attends, j'ai trouvé. On va avoir une bonne ce soir, de ce que j'ai compris. Je suis content, je suis heureux, je suis aux anges. Et de quoi ce soir? On va voir un nouveau jouet. Ah oui, 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 c'est vrai, oui, 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 moi aussi je suis content. Bon, je sais pas lequel c'est exactement entre les deux jouets que j'ai commandés, mais. Et si c'est, si c'est le bon gros jouet. Si c'est le bon gros jouet, je suis, bah, je suis heureux, mais en même temps. Jouet véhicule. Ah non, véhicule. On est de la charque véhicule. Véhicule. C'est pour ça que je trouve bizarre. C'est quoi les deux jouets que t'as commandés pour la charque? Une coquette et un camacho. Oh, j'espère que c'est le gros. Une, deux. Il me faut de la thune. J'ai dit 136 500. Bim, je suis pauvre maintenant. Alors, nous allons dans les massales. Les massales exclusives. Et il me faut la coquette Blackfin. Ah oui. Et là... La repartie. Et voilà, j'ai mon garage de coquette. On va lui faire une petite couleur parce que... elle est moche, hein. Voilà, on va le dire en marron. Mais elle a de la gueule quand même, hein. Petite... Oh oui, 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 ça va se lever, ça, une fois amélioré. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. On va couper toutes les muscles, d'ailleurs. Et on se met dans la pente, là. La pente qui doit pas vraiment être une pente. Yeah. Oui, oui, oui. Ça va très clairement se lever. Est-ce que j'aurai le temps? J'ai 10 minutes. Bon, faut voir s'il y a du monde ou pas au camp. Mais je suis... Non, bah je vole au nord quand même, hein. Je sais pas s'il y a du monde au sud. Mais vraiment, pour le prix, je suis à 180. Les stocks, tout va bien. Je pense que je vais la mettre en argenté comme la classique. Bon, j'aurais pas la thune pour faire beaucoup plus. Hein.
Bien le bonjour. Elle serait pour faire une petite couleur de peinture. Bien sûr, on va faire une couleur. Ouais, pas de problème. Hop, merci bien. Merci à vous. Rien que les jantes, elles sont stylées aussi de base. Ce sera un argenté. Excusez-moi, j'ai pas compris. Argenté comme couleur. Argenté. Ouais. Donc ce serait un gris. Donc c'est ça. Ah, mais il y a deux couleurs. Un comme ça ? Vous pouvez mettre la deuxième aussi en argenté, voir ce que ça donne. Secondaire. Alors, là, je suis en... Donc là, c'est métallique. Ah, oui. Là, chrome, métallique, mat, métal, ah, et normal. En métal. Métal ? Ouais. Comme ça ? Oui. D'accord. On met la même couleur sur la scène ? Oui, tout à fait. Ok, alors, je vais prendre ma référence. D'accord, j'ai pris ma référence, super. Oh. Alors, secondaire, on a dit, on a argenté. Alors, on a dit en métal. On va essayer de rapprocher donc, du argenté qu'on a fait en haut. Ah, bah, je crois qu'on était bon, cela, ouais, là, c'est le meilleur d'être la même. Hein? J'ai trouvé. Non, il est pas en patrouille. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est la même. Voilà. Et okay. Elle a trouvé. Merveilleux. Eh ben, c'est merveilleux. Parfait. J'ai fait de chrome là. Ouais, c'est nickel. Et vous voulez un accrage dessus ? Non. Non. Non, comme ça c'est très bien. Et après, vous voulez quoi comme votre couleur ? Eh ben, pour l'instant, juste ça. Juste ça, d'accord. Ouais. Alors, on va noter ça sur le compteur. Alors, donc on a bah, de toute façon, il n'y a que deux raisons pour lesquelles Philibert ne serait pas en patrouille. Soit il s'est fait planter. Hein. C'est une... Un coquette Blackfin. C'est une coquette... la classique. Non, Blackfin. Ah, c'est Blackfin ? D'accord. Ouais. Alors, coquette... La Blackfin, voilà. Et oui, deuxième et raison, c'est parce qu'il achète une nouvelle bagnole. $100 la peinture. On valide ? On valide. Ouf ! Voilà. Je vous la garde sur le parking. Oui, très bien. Elle est très bien. Merci bien. J'étais dans la fusillade hier, non ? J'étais pas sur la... Non, c'était pas la fusillade hier. Moi, c'était... contrôle après une CP. Enfin, arrestation après une CP et on s'est fait planter. Et donc, on a dit $500. Il me reste aussi. Voilà. Là. Et elle voilà est pour en vous. Plus. Je crois aussi. Moi, je crois pas, c'est j'en suis sûr. La voix, elle est magnifique comme ça. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Excellent après-midi en tout cas. Puis, à vous aussi. Bon courage. Merci bien. Pas de soucis.
Elle est extraordinaire, ma petite Blackfin. C'est que tu as complété mon garage de coquette. Ouais, si, avec les perces, ça va se lever. Hein. Bon, faut que je fasse gaffe aux collègues maintenant qui peuvent être en mode sournois avec les radars. Hein. Je pourrais plus me permettre de rouler comme un gros taré à 200 km/h sur l'autoroute. Déjà là, je suis à 108. Bah oui, oui. Ça, c'est autre chose. Laisse-moi passer. Merci. Ouh, mais il me reste 3 minutes. Bon, allez, on s'accorde une dernière fois de rouler comme un gros taré. En plus, il faut que je teste dans la descente des EMS. Très important. C'est le crash test. C'est vrai qu'il faut sortir de la speedy aussi, ça peut être pas mal. À 172, tranquillou, tout va bien. Et là, on va arriver dans la partie la plus drôle. La descente des EMS. Non, il y a du monde. Pourquoi tant de haine? Oh zut. Ils ont tout gâché. Ah bah non, mais t'inquiète pas qu'avec la coquette des 10, les petites 200 km/h que je me tape sur l'autoroute. Hein. Mais on pouvait se le... Ah, la plaque. Oui, non, j'avais pas de thune. Je vais changer la couleur de la plaque aussi, parce qu'en bleu comme ça, ça va pas du tout. Mais j'ai vraiment plus un rond. Il faudra attendre ce soir que j'ai quelques payes. Ou éventuellement que j'ai... la prime. Censé avoir, je crois, la prime aujourd'hui. On va se ranger la petite coquette au garage. Bon, il manque juste la D10 qui est actuellement... Ah oui, je voulais regarder ça. Non. Coquette 3. Ah oui, si, c'est la même couleur. Peut-être un peu plus clair. Ah, j'ai dû mettre un accrage aussi. Oui, téléphone, ne t'en fais pas, on va y aller. Et bah, c'est là pour moi de vous dire bon après-midi, bon goûter. Et on va voir si je peux pas vous envoyer chez un collègue ou ex-collègue. Voyons voir qui a. Nous avons moi-même, nous avons Lulu, nous avons 22, nous avons Billy Nolan, nous avons. Ah non, oui. Rien à voir avec les états. Ah si, tiens, tu côté états, ça peut être intéressant. Hein. Donc, Kaliska. C'est parti. Kaliska.
Oui, alors si tu mets pas les cas, ça va pas le faire. Ouais, donc la vie, elle a du mal. Kaliska TV, c'est bien ça. Et on en ferait. Bon après-midi à vous et à tout à l'heure.